Salut tout le monde, c'est Olivier sur la chaîne Commodore 64 Mania, la chaîne du Commodore 64. Si vous me suivez sur YouTube, vous avez sûrement dû voir ma vidéo sur la conception des cartouches 8 et 16K pour Commodore 64. Eh bien aujourd'hui, je vous propose de passer au niveau supérieur et de fabriquer des cartouches 64K. Avec certaines contraintes, certes, mais vous allez pouvoir réaliser vous-même vos propres cartouches de jeu avec des jeux assez conséquents comme Red Over Moscou, ou pourquoi pas Ghostbusters ou encore Bruce Lee. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de réaliser votre propre cartouche de Super Mario Bros. Version Commodore 64. La fameuse adaptation qui a été réalisée par Zero Page est mise en ligne il y a quelques mois sur Internet. Je précise que la diffusion de ce jeu était totalement gratuite, que ce jeu n'est jamais sorti sur Commodore 64 et qu'il ne le sera probablement jamais. Donc je me demande bien le tort que cette version C64 aurait pu faire à Nintendo. Enfin, on va dire qu'ils ont sûrement agi par principe, et c'est bien leur droit. Et j'avais posté sur Twitter que j'avais très envie de faire une version cartouche de ce jeu. J'avais d'ailleurs parlé du travail de Andy Mason, qui avait réussi à adapter le jeu Whizball sur cartouche en utilisant la cartouche Super Games, qui est une compilation de 3 jeux et qui utilise 2 EEPROM de 32K. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations techniques, à aller faire un tour sur son blog. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans les commentaires de cette vidéo. Alors, sinon, pour vous expliquer très simplement comment fonctionne une cartouche de jeu sur Commodore 64, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà de 16 kilo-octets, eh bien, il faut appliquer le principe du bank switching. C'est-à-dire que le Commodore 64, lui, ne sait pas lire des portions de données supérieures à 16 kilo-octets. Donc, quand on utilise une cartouche de 64 kilo-octets, eh bien, il faut faire 4 banques de 16 kilo-octets. Voilà. Donc, et le Commodore, lui, va switcher entre les banques, justement, pour charger le jeu en mémoire. Voilà, grosso modo, très simplement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, j'avais posté ça sur Twitter, et Laurent, que je ne connaissais pas à l'époque, m'a gentiment proposé son aide, et a carrément inventé un programme qui automatiquement va couper et replacer au bon endroit tous les morceaux de données, de compiler tout ça dans 2 fichiers de 32K qui vont être prêts à être enregistrés dans les 2 épreuves. Eh bien Laurent, c'est un super boulot que tu as fait là parce que grâce à toi, j'ai pu vachement avancer dans la conception de mes cartouches 64K. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Laurent a fait un sacré travail parce que en plus d'avoir 4 banques au niveau du bank switching, hein, il y a 4 banques de 16 kilo-octets, eh bien ce système de cartouches, voilà, je vous la montre, hein, c'est cette cartouche-là. Hein. Cette cartouche Super Games, en plus d'avoir 4 banques de mémoire, en fait ces 4 banques sont divisées par 2 chacune et sont entrelacées. C'est pas simplement 4 banques de données qui sont disposées dans la cartouche, mais en plus ces 4 banques elles sont entremêlées les unes entre elles dans la cartouche. Et bien lui il a réussi à automatiser ça pour mettre n'importe quel jeu automatiquement dans une cartouche. C'est franchement balayé. Donc merci à toi Laurent pour ce travail que tu as réalisé si gentiment pour moi. Voilà, donc la PCB d'origine de la cartouche voilà, Super Games, en fait c'est ça, tout simplement. Donc moi j'en avais acheté 2, je les ai utilisées toutes les 2 pour mes tests. Et puis ensuite, moi je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire mes propres PCB, parce que j'aimerais en faire plusieurs. Et comme ça, je vais quand même pas racheter tous des cartouches Super Games pour faire mes cartouches à moi. Donc je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, autant faire mes propres PCB. Ça me permettra en même temps de me faire la main sur les logiciels de conception de cartes électroniques. Et puis voilà, j'ai réussi à les faire. Donc la première version, elle était un petit peu buggée, il y avait quelques erreurs que j'ai rectifiées. Et puis maintenant elles sont à disposition sur le site Dirty PCB. Donc si vous voulez vous les commander, vous pouvez. Hein, ça, je crois que c'est par 10, ça va vous coûter avec les frais de port à peu près 25 euros, je crois, 25, 26 euros, un truc comme ça. Donc 26 euros, vous allez pouvoir faire 10, voire 12 cartouches. Moi quand j'ai commandé mes PCB, j'en ai reçu 12. Donc les 12 que j'ai reçues là, elles fonctionnent pas, mais avec des petites modifications, ça marche. Hein. Donc, mais celle que vous allez commander, normalement, devrait fonctionner sans problème. Donc, vous voyez, il faut pas grand-chose, en fait, pour faire cette cartouche. Il faut... Alors, moi, j'ai utilisé 2 EEPROM.
Voilà, deux EEPROM, c'est des 27 C256. Je vais vous marquer toutes les références pour pas vous tromper. Hein. Je vais vous marquer tout ça sur le, dans les commentaires de la vidéo. Ensuite, il y a deux petits circuits imprimés. Voilà, comme ça. Et puis, après, j'ai quatre... voilà, je vais vous mettre comme ça. Quatre petits condensateurs. C'est des 104. Je vais vous marquer toutes les valeurs. Hein. Vous allez comme ça, vous ne pourrez pas vous tromper. Et puis au final, eh bien, ça donne. Bon, moi j'ai rajouté une petite LED là. Hein. Bon, c'est juste pour faire joli. Puis au final, ça donne ça. Voilà. Donc là, il y a les deux circuits intégrés, les deux EEPROM. Et puis on a les quatre condensateurs. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Donc vous voyez, celle-ci, j'ai dû les modifier parce que j'avais fait quelques erreurs. Ici, j'ai dû couper une trace. Là, j'ai dû refaire un circuit. Et puis ici en fait j'avais oublié de faire la jointure entre la petite plaque en métal là, et puis le circuit. Donc ça fonctionne, celles que j'ai refaites elles sont corrigées, j'en ai recommandé, donc j'espère que ça va aller, j'espère qu'elles fonctionneront. Mais bon, en attendant déjà elles sont à disposition, donc si vous voulez vous les commander vous pourrez, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Voilà, maintenant que je vous ai dit tout ça, on va passer dans un premier temps en mode capture d'écran sur mon PC. Je vais vous expliquer comment on fait pour préparer un fichier avant la gravure. Ensuite, on va aller dans mon atelier et on va passer au montage de la PCB. Ensuite, on va graver nos deux EEPROM et au final, on va tester nos cartouches. Voilà, donc allez, c'est parti. Alors, avant toute chose, il va vous falloir réunir plusieurs choses. Dans un premier temps, vous allez avoir besoin de l'émulateur Commodore 64. Moi, j'utilise Vice. C'est un très bon émulateur et en plus il y a un moniteur intégré. On va s'en servir après, je vais vous expliquer un petit peu. Ensuite, ça aussi c'est vachement intéressant, c'est un petit programme, Dear Master. C'est un petit programme qui permet d'aller bidouiller dans les fichiers images, disquettes, cassettes, etc. De récupérer des fichiers, de faire des compilations, etc. Donc ce logiciel-là, ce petit programme-là, c'est super intéressant pour faire ce qu'on va faire là pour nos cartouches. La méthode que moi j'utilise pour fabriquer les cartouches, c'est une méthode qui utilise un petit programme que Laurent a fait, dans lequel en fait on a juste qu'à mettre un fichier PRG au format Commodore 64. De savoir, parce qu'en fait un programme en assembleur a besoin d'une adresse mémoire de départ. Donc en fait il suffit de savoir la fameuse adresse de départ. Quand on la connaît c'est bien, quand on la connaît pas faut la chercher, parfois c'est pas évident. Mais quand on connaît cette adresse, eh bien on a juste qu'à aller chercher le petit fichier .png et ensuite de rentrer l'adresse du démarrage du programme. Et ce petit programme que Laurent a fait m'a fait tout le reste, c'est-à-dire qu'il va sortir, qu'il va générer un fichier .crt qui sera directement utilisable avec l'émulateur Vice, ce qui permettra de pouvoir le tester, voir si ça fonctionne. Et il va générer aussi deux autres fichiers, deux fichiers bin de 32 kilooctets chacun. En fait, ça sera ces fichiers, ces deux fichiers-là qui vont être gravés chacun dans une EEPROM. Voilà, parce que mon système de cartouche fonctionne sur deux EEPROM de 32K. Voilà, donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais vous expliquer comment on fait de la manière la plus simple, c'est-à-dire qu'on a déjà, le fichier .png au format Commodore 64, et on connaît déjà l'adresse du départ du programme. Le fameux, en fait, sur Commodore 64, c'est le fameux point, enfin, c'est le SYS suivi d'un numéro. Donc d'abord, je vais vous montrer un petit peu, tout simplement. Hein. Donc là, j'avais déjà mis le fichier D64, qui est un fichier au format disquette. Hein. C'est une image disquette qui fonctionne sur émulateur. Hein. D'ailleurs, si on bascule comme ça dessus directement, vous allez voir que l'émulateur va charger. Là, il est en speed plus rapide, comme ça, on attend moins longtemps, ça c'est bien, mais ce n'est pas du tout la réalité. Hein. Voilà. Donc vous voyez, le jeu démarre, j'appuie sur la barre d'espace, je sais plus, voilà, et puis voilà, il y a un petit temps de chargement, pas grand chose, et le jeu démarre, voilà. Donc ça c'est bien joli tout ça, mais vous voyez, quand je mets la disquette directement sur l'émulateur, ça démarre tout seul.
Donc ce que je vais faire, je vais vous expliquer comment on fait pour... Voilà. Je vais vous montrer comment on fait rapidement pour savoir quelle est ce fameux, cette fameuse adresse de démarrage du programme. Et bien tout simplement en appuyant deux fois. Enfin moi je l'ai assigné, j'ai assigné les fichiers D64 à Dear Master, donc quand je clique dessus, directement ça s'affiche dedans. Par contre, si vous ne l'avez pas, vous faites ça directement comme ça, hop, c'est pareil. Et là vous voyez, on voit les fichiers. Ici exactement, on peut voir Super Mario Bros 64, mais ça c'est le jeu en fait. Et quand je clique deux fois dessus, eh bien regardez, j'ai le fameux SYS qui apparaît. Donc je sais déjà que le jeu démarre par la commande SYS2096. D'ailleurs on va faire un petit essai. Je vais utiliser l'émulateur comme si j'avais un vrai Commodore 64. Donc je vais aller chercher ma disquette. Donc on va aller dans le bureau puisque c'est là que j'ai mis mon dossier. Voilà. Donc je fais attache. Ensuite je vais taper ma commande pour afficher un petit souci. On va changer ça tout de suite. Keyboard setting, on va se mettre en positionnal. Voilà. Là c'est mieux. Donc ça c'est la commande qui permet d'afficher le répertoire d'une disquette. Attends, je vais faire la liste pour l'afficher. Donc là, vous voyez, on récupère exactement ce qu'on avait dans Dear Master. Vous voyez, regardez ici. Je vais enlever. Ah, mince. Hop, voilà, vous voyez, on a exactement la même chose. Hein. Donc maintenant, je vais aller charger Super Mario Bros. Comme si je le faisais avec un vrai Commodore 64. Hein. Voilà. 8. Voilà, ça charge. Bon, je vais accélérer le chargement avec la touche Alt et W en même temps. Vous allez voir que ça passe de 100% à après 1000. Là, j'ai 1200, mais ça, c'est en fonction de la puissance de votre PC. Hein. Donc ça, ça va beaucoup plus vite. Vous voyez, hop, c'est déjà terminé. Je fais liste. Là, bon, bah, c'est caché parce que ils ont fait une petite bidouille au niveau de l'affichage de la liste. Mais c'est pas grave. Moi je sais ici que mon programme va démarrer avec un SYS2096. D'ailleurs on va faire le test. Je vais taper SYS2096. Et puis on va voir ce qui va se passer. Voilà, vous voyez ça fonctionne. Donc on va arrêter ça tout de suite. Je vais faire un petit reset. Voilà. Donc maintenant je connais l'adresse du départ de mon programme, c'est-à-dire 2096. Et maintenant je vais vous expliquer comment on fait pour générer un fichier. Les deux fichiers .bin et le fichier CRT qui nous permettra de tester ensuite la cartouche au début virtuellement dans l'émulateur. Donc pour ça, il va falloir qu'on utilise ça, je vais l'enlever. Ça, je vais l'enlever. On a besoin de l'invite de commande. Voilà, donc moi j'ai installé là-dedans pour que ce soit plus simple pour vous montrer. Mais ça marche aussi sur, sur Windows XP, je l'ai utilisé aussi. Hein. Vous avez simplement à mettre le petit programme qui permet de démarrer la console qui est ici. Vous le mettez dans le fichier avec surtout ce qu'il faut, c'est makecart.exe et c64prgloader.bin. Ces deux petits fichiers-là vont ensemble et c'est ces fichiers-là, en fait, ce programme-là, makecart.exe, a besoin de ce petit fichier-là pour faire la transformation. Mais tout ça, ces deux fichiers-là, je vais vous les fournir. Vous n'aurez qu'à les télécharger et les installer dans un dossier. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, voilà. Donc, je suis dans mon dossier. Ici, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que je vais d'abord devoir récupérer un fichier .png. Parce qu'on a besoin d'un fichier .png. Donc, je vais retourner dans Dear Master. Et voyez, regardez ici. Ça, j'enlève. Je vais prendre ce fichier qui est ici. Et je vais directement faire un glisser et je vais lâcher ici. Et voilà, je me retrouve avec mon PRG. Donc je vais le simplifier un petit peu. Je vais marquer simplement Mario. Je renomme comme ça, ça sera plus facile pour utiliser mon petit programme après. Donc voilà, donc là j'ai mon Mario. Donc je tape tout simplement make cart Mario.png. Ensuite, je vais marquer le nom du fichier de sortie que je veux. Donc là je vais l'appeler Super Mario, je fais un espace et ensuite je vais écrire
le SY2096, je vais marquer tout simplement 2096. Et je fais entrer. Et voilà. Et on peut voir que le programme a travaillé ici. Je vais réduire un petit peu. Voilà. Hop. Et il m'a généré mes trois fichiers dont je vous avais parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la cartouche virtuelle qui permettra de tester dans Vice 64 et les deux fichiers qui permettront de créer la vraie cartouche par la suite. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, on va tester la cartouche qu'on vient de générer dans l'émulateur. Voilà. Donc il y a un petit temps, mais ça c'est pas grave. Et voilà. Donc vous voyez, le jeu démarre. Nickel. Hop, je me mets là, j'appuie sur la touche pour continuer. Et vous allez voir que le jeu va démarrer correctement. Voilà. Après, je peux démarrer une partie sans problème. Voilà. Bon, donc ça, ça marche. Donc là, si je fais reset, ben, en fait, ça va faire comme si vous éteigniez, rallumiez le Commodore 64 sans enlever la cartouche, c'est-à-dire que le jeu va redémarrer. Donc ce que je dois faire, c'est... Je vais faire... Détache cartridge image. Voilà. Donc je me retrouve avec mon Commodore 64 comme il était au début. Donc là, je vous ai montré comment générer nos fichiers pour une future gravure sur EEPROM de la manière la plus simple, c'est-à-dire qu'on a déjà, on connaît déjà notre fichier PRG avec le SYS qui démarre le programme. Ça, c'est très simple. Vous allez voir qu'il y a plusieurs méthodes. Moi, j'ai une méthode qui, je trouve, c'est une des plus simples, qui permet de pouvoir, quand on ne connaît pas justement ce numéro qui va faire démarrer le programme, bah tout simplement de faire un dump de la mémoire du Commodore 64, c'est-à-dire qu'on va faire une copie de la mémoire qu'il y a dans l'ordinateur, et ensuite on va transformer cette mémoire en un fichier PRG qui va être exécutable et transformable avec le petit programme MakeCart en fichier prêt à être gravé pour une cartouche. Voilà. Alors donc maintenant dans cette deuxième partie je vais vous montrer comment on fait pour avoir la même chose quand on a un jeu qui démarre avec une compression au début, avec une intro de pirate, etc. Et quand on veut quelque chose de clean, comment faire pour virer donc cette phase de décompression, pour virer l'intro et pour avoir un jeu qui démarre directement sur l'écran du jeu de façon propre, rapide et efficace. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. D'ailleurs on va aller sur un site où je vais très souvent qui s'appelle Planète Ému. Alors Planète Ému c'est super, il y a tout ce qu'il faut, en plus c'est en français, donc raison de plus pour y aller. Donc pour faire ça on va avoir besoin d'une cartouche qui s'appelle la cartouche ici. On va prendre l'Action Replay V6.0 professionnel. Voilà celle-là. Donc on télécharge. Ensuite, on installe la cartouche, c'est-à-dire je vais la mettre tout de suite. Alors, attache cartridge image, CRT image, et on va aller sur la cartouche qu'on vient de télécharger. Tac, voilà. Donc, on va télécharger un petit jeu maintenant. Donc, j'ai déjà ma petite idée sur le jeu que je vais vous montrer, c'est un jeu qui est sympa. Et en plus, il y a tout ce qu'il faut dedans pour vous montrer comment on fait. Alors, on va aller dans... T64, alors les fichiers T64, au même titre que les fichiers D64, eh bien ce sont des images. Alors les T64, tape image, c'est les fichiers tape image. Donc ça s'utilise pratiquement comme des fichiers D64. Et on peut aller voir ce qu'il y a dedans avec, avec Dear Master. Donc je vais télécharger Spy versus Spy qui est ici. Alors elle touche le bouton S. Hop. Voilà. Donc on va prendre cette version là. Je télécharge. Voilà. Ici, alors ça je l'enlève, j'en ai plus besoin pour l'instant, et on va basculer directement le petit programme sur le Commodore 64.
Alors comme vous avez pu voir, il ne s'est rien passé en fait, parce que comme il y a une cartouche dedans et qu'on a basculé ce petit fichier dessus, ben, le Commodore 64 a rebooté, mais comme il y a une cartouche, forcément il a rebooté sur la cartouche. Donc on va faire F3 Normal Reset. Voilà. On va relancer le jeu. Voilà. Donc là, il charge le programme. Et là, je fais un list. Et vous allez voir qu'on a un SYS 2059. Et quand je tape SYS 2059, on a bien le jeu qui démarre. Mais avant, on a une phase de décompression qui n'est pas très belle. Et après cette phase de décompression, eh bien, on a une petite intro du hacker qui a craqué le jeu. Donc c'était bien avant, hein, quand on mettait des copies. Ça, c'est une copie, je suis d'accord avec vous, mais je baisse un petit peu le son. Voilà. Ça, c'était bien, mais sur une cartouche, on ne veut pas forcément avoir une intro de pirate avant le jeu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir le bon moment, c'est-à-dire après cette fameuse intro, on va, ici, on va friser le jeu, c'est-à-dire qu'on va le geler. Et on va récupérer la mémoire du Commodore 64 à l'instant T et on va enregistrer ça dans un fichier. Donc pour faire ça, eh bien il faut le faire au bon moment. Alors là, il faut faire Alt Z. On va faire Alt Z au bon moment. Donc, hop, je passe l'intro. Quelques petites écritures pour expliquer le jeu. Voilà. Et là, vous allez voir, au bon moment. Tac, voilà, je fais Alt Z et je me retrouve sur un menu. Donc je vais faire F1 Backup pour faire une copie. Hein. Voilà, donc il se passe. Là, il est en train de chercher, enfin de lire la mémoire du Commodore 64. Et là, on va faire D-Save, Tape Save Turbo. Voilà, donc il me demande d'entrer un nom, on va taper Spy. Ensuite, on va aller installer. Attacher une image, c'est-à-dire insérer une image cassette. Donc on va créer, donc là j'avais déjà fait ça pour tout à l'heure, je vais l'enlever pour vous remontrer comment on fait. Voilà. Donc on va faire, je vais taper spy vs spy et je vais demander de créer une image. Donc il m'a créé mon image, clique deux fois dessus et ça y est, mon image cassette est dans l'émulateur. Alors il y a un petit bug. Alors je vais vous montrer. Donc là je fais entrer. Voilà, il me demande press record and play on tape. Donc je vais faire record. Et là je sais pas si ça a marché. Ah bah ça a marché. Bon bah tant mieux. Si ça n'avait pas marché, il aurait fallu faire setting et puis save default setting et on aurait dû recommencer. Mais là ça a marché, tant mieux. Donc là, pour accélérer le processus, je vais faire Alt W. Ça va aller beaucoup plus vite comme ça, c'est mieux. Voilà, donc là, en fait, il est en train d'enregistrer la totalité de la mémoire du Commodore 64 dans un fichier. Fichier de tape, en l'occurrence. Donc voilà, ça c'est fini. Alors, je vais enlever la cartouche. On n'en a plus besoin pour l'instant. Donc je vais faire détache cartridge image, voilà. Ensuite je vais dans mon dossier ici et là on voit qu'il m'a créé le fameux fichier tape que je vais remettre dans l'émulateur. Et là vous voyez, je vais accélérer un petit peu. Hein. Là en fait il se passe exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que là au lieu d'enregistrer, il lit le fichier tape qu'on vient de créer. Bon, c'est comme si on chargeait une cassette dans un Commodore, quoi. Hein. C'est pareil. On va attendre que ça se termine. Voilà. Hop, j'étais en mode turbo, j'enlève le turbo. Là, je fais liste et je m'aperçois qu'on n'est plus, on n'a plus ce fichier qu'on avait tout à l'heure, qui est ici. On avait tout à l'heure, on avait le SYS 2059. Maintenant, on a un SYS 2061. En fait, ça a été généré par l'action replay. Et elle, quand elle fait un dump de mémoire, quand elle sauvegarde le fichier, elle génère toujours un SYS 2061. Ce sera toujours ça. Quand on utilise cette cartouche, bien sûr. Donc là, on va faire run pour voir si le jeu démarre bien au bon endroit. Et voilà.
Donc notre jeu démarre au bon endroit. Si je fais chat, espace, parfait, ça marche. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un reset. Et je vais remettre le jeu dans l'ordinateur comme tout à l'heure. Donc, hein, je vais glisser du fichier tape dans l'émulateur, tout simplement. Hein. Rien de compliqué. Voilà. Hop. On va attendre que ça. Je vais mettre en turbo parce que ça va être trop long. On va attendre que ça charge. Vous allez voir que là, on va faire une petite manipulation qui est toute simple, mais qui a son utilité. Donc on va attendre encore un petit peu. C'est un 63, je crois. 63. Voilà, ça y est. Là, je vais faire. Je vais pas mettre le jeu en route. Je vais faire File Monitor. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai déjà fait un essai tout à l'heure. Donc, on fait en premier banque RAM. Voilà. Alors, banque RAM, ça a pour effet de basculer la machine en RAM, ce qui va permettre en fait de pouvoir sauvegarder entièrement la RAM sans en perdre une miette. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait banque RAM, on va taper S pour sauvegarder. On va ouvrir mes guillemets et là on tape ce qu'on veut, hein. On tape le nom du programme qu'on veut. Donc là je vais le taper spy versus spy. Spy vs spy.prg. Ensuite je fais 0. En 0 en fait ça va lui demander d'enregistrer le fichier qu'on est en train de créer dans le répertoire actuel de mon disque dur, c'est-à-dire dans mon répertoire qui est ici, celui-là. Si j'avais tapé 8 en fait, parce que je peux taper ici à la place du 0, je tape 8, en fait, là il va enregistrer un fichier, ce fichier là dans la disquette numéro 8. C'est-à-dire que si on va là, par exemple, on fait File, Attache disque image Drive 8, là, il va nous demander d'aller choisir une image. Par exemple, si je choisis ça, eh bien il va enregistrer le fichier qu'on est en train de faire dans la disquette. Voilà. C'est pas ce qu'on veut, nous on veut avoir le fichier directement sur le disque dur. Donc je tape 0, ensuite je fais 0200 FFFF. Alors ça en fait c'est le range de la mémoire. C'est-à-dire que c'est les limites du début et de fin de la mémoire, de la portion de mémoire que l'on veut enregistrer. Donc moi je lui demande d'enregistrer la portion de mémoire qui va démarrer à 0200 et qui va terminer à FFFF. Donc c'est l'hexadécimal. Hein. Et là on est quasiment sur la totalité de la mémoire RAM du Commodore 64. Donc là on fait entrer. Et là il m'a généré le petit fichier qui est là. Spy versus spy.prg. Donc ça j'en ai plus besoin. Ça je fais un petit reset. Hop. Voilà. Tac. Maintenant, je vais utiliser l'invite de commande et je vais taper make carte, donc spy vs spy.prg. Je veux que le programme, les fichiers qui vont ressortir s'appellent spy vs spy. C'est juste le nom, en fait, le nom des fichiers qui vont être générés. Et ensuite, je fais espace et je fais 2061. Hein, c'est le fameux SYS qui a été généré par l'action replay. Je fais entrée. Et là, hop, vous voyez ici sur le côté, il vient de me générer en fait mon fichier CRT pour pouvoir tester dans l'émulateur, ainsi que mes deux fichiers .bin qui sont prêts à être gravés sur les EEPROM. Donc là, on va tester notre cartouche virtuellement pour l'instant. Hop, on bascule. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, le jeu qui démarre. Ensuite, on fait espace. Et voilà. Donc, ça fonctionne parfaitement. Voilà. Donc là, vous voyez, c'était tout simple. Hein. On avait une petite intro qu'on a voulu dégager. On avait le moment où ça décompresse aussi. Donc maintenant, on se retrouve avec un jeu qui démarre, qui est propre. Et qui, à la base, avait quand même une intro, etc. Donc ça c'est quand même pas mal quand on veut avoir quelque chose de propre sur une cartouche. Voilà. Alors là je vais vous montrer un troisième exemple de jeu. Donc pour ça on va aller sur internet, sur Planète Ému.
On va aller choisir un jeu, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait prendre, un jeu en D64. Ce système de mise en cartouche d'un jeu ne fonctionne pas s'il y a des chargements in-games, ou qu'il y a des niveaux à charger au fur et à mesure de la progression dans le jeu, ça marchera pas. Ce qu'il faut, c'est qu'une fois que le jeu a démarré, qu'il n'y ait plus de chargement. Si c'est comme ça, ça va fonctionner vu que c'est un dump de la mémoire. Hein, tout est chargé avant, une fois que c'est en mémoire, on dump la mémoire, on fait une copie, on génère un fichier, on fait une cartouche, et ça marche nickel. Mais il ne faut pas qu'il y ait de chargement après, autrement le jeu va bugger et va s'arrêter. Voilà, donc on va chercher un programme, un jeu qui... Tiens, peut-être 1942, tiens, pourquoi pas. Alors, on va prendre celui-là, allez. Hop. Alors, fichier D64, on va regarder ce qu'il y a dedans. Ça, c'est les scores. Donc, apparemment, on peut sauvegarder les scores. Donc, là, on a notre fichier. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fichier. Là. Je vais ouvrir mon dossier. Je vais prendre ce fichier-là. Je vais le déplacer là. Comme ça, j'ai mon PRG. Ensuite, j'ai plus besoin de ça. Je mets mon émulateur, je bascule le fichier dedans, puis on va voir un petit peu comment il va se comporter. On va accélérer un petit peu. Voilà. Donc il y a une phase de décompression déjà. Et ensuite on va voir ce qu'il y a. Ah. On va l'accélérer parce que là, ah, ça y est. Donc ça c'est quoi? C'est une intro de présentation. Hop, on la dégage. Voilà, là il y a encore une phase de décompression, mais bon, on la voit pas. Et voilà, là on a l'image et le jeu qui va démarrer après, je pense. Ah non, on a un trainer, donc on va mettre High Score 7, tiens, pour voir. Reset, hop. Et là, le jeu démarre, d'accord. Ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais dumper la mémoire juste avant l'affichage de cet écran. Donc on va mettre notre fameuse cartouche Action Replay. Voilà. On va remettre notre programme dedans. F3, je vous ai dit tout à l'heure. Je vais accélérer un petit peu. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est les snapshots. Alors ça, c'est bien pratique parce que, comme je vous ai déjà dit, il va falloir faire un dump, un freeze de la mémoire au bon moment, c'est-à-dire juste avant le moment où l'écran de démarrage du jeu va s'afficher. Donc c'est pas toujours évident. Donc souvent, on s'y reprend plusieurs fois. Alors, l'avantage de faire un snapshot, par exemple, là, je vais faire save. Quick snapshot. Regardez, si je fais ça, je refais, là j'appuie sur espace hein, pour passer l'intro. Si je fais load quick snapshot, je reviens exactement au moment où j'ai sauvegardé. Voilà, donc ça on va dire que c'est, comme son nom l'indique, c'est une sauvegarde instantanée. Ça sauvegarde l'émulateur de façon instantanée. Ça nous permet de pouvoir revenir en arrière si besoin est. Donc l'avantage de ça, eh bien, ça va permettre d'affiner au mieux le freeze de la cartouche comme ça, si jamais on va trop loin puis que le jeu démarre puis qu'on n'a pas fait le freeze, ben on peut très bien refaire un load snapshot juste avant, si on a fait la sauvegarde bien sûr, comme ça on peut recommencer jusqu'au bon moment. Regardez, je vais vous montrer. Donc là, hop, je fais espace. Ah, là il y a le petit texte qui s'affiche, ensuite on a une image et ensuite je vais faire un snap ici, je fais save quick snapshot. Voilà, j'attends un petit peu. Ah oui, il y a eu le trainer, c'est vrai. Donc là, je vais mettre high score saver et je vais faire un autre snap save quick snapshot ici et je vais faire load. Là, il y a quelques secondes, ça charge et le jeu démarre. Vous voyez? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire mon load quick snapshot image. Voilà.
Et là, pour faire le freeze, c'est Alt Z. Donc, je vais faire L et je vais faire Alt Z. Je vais essayer de le faire au bon moment. J'attends un petit peu. Ah, vous voyez, j'ai fait trop tard. Donc, on va faire Load Quick Snapshot. Je fais L. Hop. Ah, j'ai loupé. J'ai loupé. Load, c'est Alt Z. Voilà. Donc là, je sais pas si ça va, ce que ça va donner. Je vais faire F1 backup. Et c'est toujours. Après, c'est tout le temps la même manipulation. Vous allez voir. Voilà. Donc, il m'a sorti les fichiers. Je sais déjà que le fichier peut faire 183, 193 blocs. Donc, nous, on va sauvegarder en D. Donc, on va l'appeler 1942. Je vais mettre une cassette, donc je vais l'appeler 1942 et je vais faire create image. Voilà, hop. Ensuite je fais entrée, ensuite je vais dans file et je fais record, et là vous voyez, ça n'a pas fonctionné. Donc le petit bug, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien on fait setting, on fait set défaut setting, ok, voilà, et ensuite on refait dataset control record, et là c'est parti. Donc je vais accélérer, pour accélérer Alt W, vous voyez ici le compteur s'affole, hein, il va très vite. C'est bien pratique, comme ça on n'a pas besoin d'attendre vraiment la durée réelle. Je sais pas jusqu'à combien il va aller. Faut juste être un peu patient. Voilà. Hop. Donc, maintenant, je vais enlever la cartouche. Donc, je fais Detach Cartridge Image. Et je vais mettre le fichier 1942 Tape qui a été créé juste avant. Hop. Et on va voir comment le jeu va démarrer. Donc là c'est pareil, hein, on se met en mode turbo. Vous voyez là c'est 1%, je vais mettre en mode turbo, ça va basculer à 1200, 1300, hein, 1400, ouais, 1000, ouais, 1000%, ce qui est déjà pas mal. Après ça dépend des moments, des fois c'est un peu plus. Donc là c'est bientôt fini, voilà, donc je m'enlève du mode turbo. Et vous voyez là, si je fais liste, on se retrouve encore une fois avec un 2061, ce sera toujours ça. Allez, on fait run et on va regarder comment ça se comporte le jeu. Et voilà. Donc on a bien notre jeu qui démarre. Je baisse un peu le son. Voilà. Donc on a bien notre jeu qui démarre au bon moment. Voilà. Donc vous voyez, hein, grâce à cette fonction snapshot, ça permet d'affiner au mieux le bon moment auquel on va faire le freeze de la cartouche. Voilà. Donc je vais faire un reset. Voilà, je vais réinjecter le fichier tape de 1942. Hop, on se met en turbo. Et il me semble que comme Spy vs Spy, ça va jusque 63. De mémoire, j'ai des jeux qui sont allés bien, bien plus loin. Voilà. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, on va ouvrir le moniteur. Hop, voilà. On fait banque RAM, ça c'est très important, faut jamais oublier de le faire. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais taper la même ligne avec 1942.prg. Voilà, 0, là c'est toujours la même chose. FF, on fait entrée. Ici, imaginez mon programme en .prg. Ça je l'enlève. On fait un petit reset. Voilà. J'en ai pas besoin, donc je l'enlève. Ensuite on va démarrer notre console, notre avis de commande, et on va taper make cart 1942.prg. Le programme on va l'appeler tout simplement 1942 et 2061, qui est l'adresse du démarrage du programme.
Voilà. Ici, sur la droite, dans mon dossier, il a généré les trois fichiers, le fichier CRT et les deux fichiers BIN. Et maintenant, on va pouvoir tester notre cartouche. Voilà. Et voilà. Et donc le jeu démarre, nickel. Donc je vais mettre, on va le faire démarrer, faire une petite partie pour voir. Joystick setting, on va prendre ici. Réglage de base. Et on va démarrer. Voilà. Et ça marche. Superbe. Bon, parfait. Voilà, cette première partie de vidéo est terminée. Je vous invite à me suivre maintenant dans mon atelier dans lequel nous allons construire nos cartouches. Et nous voilà déjà dans mon atelier. Et bien voilà ce dont nous avons besoin comme pièce pour réaliser notre cartouche. Alors ce que je suis en train de faire là actuellement, vous n'aurez pas besoin de le faire. C'est parce que moi j'ai fait des bêtises quand j'ai fait mes premières PCB. Il y a des choses que j'avais oublié de faire, donc là je suis en train de réparer mes erreurs. Donc ça ne sera pas la peine de le faire pour vous avec les nouvelles PCB. Ça, vous n'aurez pas besoin de le faire non plus, parce que moi à cet endroit là j'avais oublié de faire un contact entre la lamelle et le petit trou rond. Normalement il doit y avoir un contact là, moi j'avais pas fait, donc là je suis en train de le faire, donc ça vous n'aurez pas besoin de le faire.
Le petit strap que je suis en train de faire, là, vous n'aurez pas besoin de le faire. Moi, je le fais parce que c'est, encore une fois, une bêtise que j'ai fait quand j'ai dessiné la PCB dans le logiciel. Donc voilà, ça sera rectifié. Pour vous, c'est clean. Eh bien, nous revoici dans ma pièce où j'ai tout mon matériel informatique. Et puis, nous allons procéder maintenant à l'écriture des EEPROM. Donc, pour ça, il va nous falloir le petit programme Mini Pro Programmeur, que voici. Ensuite, on va aller chercher, donc là, moi, j'ai déjà gravé les EEPROM, donc là, moi, j'ai déjà la référence. Mais on va aller chercher la référence M27C256B qui correspond aux EEPROM que l'on va utiliser pour nos cartouches. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on met les EEPROM dans l'enregistreur des EEPROM et on va aller chercher nos fichiers pour graver nos jeux. Donc on va commencer par celui-là. 1942, on va prendre le 1 bin, on fait ouvrir, on fait OK et on fait P. Et on programme. Là, c'est assez rapide quand même. Hein. Ça prend quelques secondes. Et voilà. On fait cancel. Et on va reproduire la même chose. Hop. Pour les EEPROM numéro 2 de 1942. Voilà. On fait ouvrir. OK. Programme. Hop, c'est parti. Voilà, c'est parfait. Allez, on continue. Maintenant, on va faire deuxième jeu. Super Mario. OK. C'est parti. Voilà. Là, maintenant, on fait la même chose pour ici. Deuxième EEPROM du jeu Super Mario et on fait programme. Et voilà. Alors maintenant notre troisième et dernier jeu. Ça sera Spy versus Spy. OK. C'est parti. Alors vous avez vu hein, la programmation des EEPROM, c'est vraiment quelque chose de très simple. Hein. Là, hop, on va faire la deuxième et dernière. Hop, alors ici, OK, programme, c'est parti. Et voilà, programming successful. Bon, maintenant il me reste plus qu'à installer ces EEPROM sur mes cartouches et puis on va tester ça en direct sur un vrai Commodore 64. Et bien voilà, maintenant il est grand temps de passer au test de nos cartouches. Donc là, je sais plus ce que j'ai mis dedans, donc ça sera la surprise quand on va démarrer le jeu. Alors, première cartouche, on démarre, on attend un tout petit peu, et ping, ah superbe, Super Mario 64,
façon. Voilà. Allez, on va démarrer le jeu. C'est parti. Pour l'instant, tout va bien. Ouais. Et voilà. Allez, c'est parti. Une partie vite fait. Hop. Bon, bah, ça marche plutôt pas mal. Hein. Et voilà. Et voilà, donc premier jeu, Super Mario 64, nickel. Donc oui, je vous ai pas montré, mais quand vous aurez fait votre cartouche et enregistré votre EEPROM, pensez surtout à mettre des petits autocollants sur les petites vitres qu'il y a sur les EEPROM, parce qu'en fait, s'il y a trop de lumière qui passe dedans, bien elle s'efface. C'est d'ailleurs par cette méthode qu'on efface les EEPROM pour pouvoir réécrire dessus. Voilà, donc dès que c'est terminé, dès que vous avez fait vos EEPROM, surtout pensez à bien les protéger, à mettre les petits autocollants dessus. Voilà. Donc ça marche. On va passer à la deuxième. Voilà. Hop. Alors qu'est-ce que c'est? 1942, mesdames et messieurs. Allez, c'est parti, on essaye. Ouais. Alors. Eh ben, ça marche nickel. Ouais, impeccable. Hop. Voilà. Bon, ben voilà, c'est pas mal. On fait un looping. Et les loopings fonctionnent aussi. Voilà. Bon. Deuxième jeu, nickel. Le troisième, ben, il ne reste plus qu'un. Ça sera Spy. Spy versus Spy, le premier du nom. Et voilà, la belle page de présentation du jeu. Barre d'espace, et puis voilà. Allez, on commence une partie. Alors, on va essayer de lui faire son compte à celui-là. Allez. Allez, voilà, c'est réglé. Donc ben voilà, ces petites cartouches fort sympathiques, là, très faciles à réaliser, vous avez vu. Hein, bon, comme je vous ai dit, tout à l'heure, la seule contrainte, ça sera qu'il faut un jeu qui n'a plus de chargement in-game et qui n'a pas de chargement en cours de fin. C'est-à-dire, si vous passez un niveau, il faut pas qu'il y ait le prochain niveau qui soit en chargement. Autrement, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Grosso modo, il faut que le jeu soit terminé de charger définitivement une fois qu'il a démarré. Voilà. Donc plus de chargement et ça va marcher. Si vous voulez malgré tout faire des essais avec des jeux qui chargent après, là c'est d'un autre niveau parce que là il faudra carrément aller dans le code source et puis aller faire des modifications, etc. Enfin bref, c'est faut être vachement balèze pour faire ça. Donc voilà. J'espère que grâce à ça, bah, eh bien, vous allez pouvoir faire des cartouches très facilement. Et puis voilà, donc si cette vidéo vous a plu, surtout pensez à mettre un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout pensez à cocher la petite cloche, car grâce à elle, vous aurez des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. Voilà, et surtout mes amis, faites-moi plaisir, partagez mes vidéos pour me faire connaître. Pour cela va me donner envie de continuer à faire des vidéos. Surtout, c'est très important pour moi. Partagez un max. Voilà, je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt sur Commodore 64 Mania pour de nouvelles aventures.